Yazid, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode des Rendez-vous Robotics First Québec. Comme à l'habitude, à travers ce balado, je vais à votre rencontre, vous qui êtes membre de la communauté Robotics First Québec. Par la même occasion, je fais un appel à toutes celles et ceux qui voudraient partager avec nous leur expérience ou tout autre projet qui leur tient à cœur. Envoyez-moi un court courriel à info@roboticfirstquebec.org. Il me fera un grand plaisir d'en discuter avec vous. Aujourd'hui, mon invité est David Roquetaille, mentor dans l'équipe 7471 Montagnard du Collège Saint-Hilaire et ancien membre d'une équipe de robotique, les Loups de l'école Vitrail à Montréal, donc les 3981, et mentor. Bonjour David, ça va bien? Ça va bien. Génial. David, j'aimerais ça que tu commences par te présenter. Je m'appelle David Robitaille, j'ai 24 ans. Et moi, je suis technicien de procédés mécaniques. Je travaille pour la compagnie AC Johnson. Donc, dans mon travail, j'assure le bon fonctionnement d'une ligne de production par le biais de l'entretien et l'inspection quotidienne des équipements mécaniques et pneumatiques. Pour résumer, j'effectue plein d'ajustements sur les machines et les équipements pour avoir un produit fini. S'assurer qu'on ait une production constante. On produit en continu, donc toute la journée, toute la nuit. De temps en temps, je travaille de nuit aussi. Quel genre de produits vous fabriquez? On travaille dans la destruction plastique. Donc, dans le cas de notre usine, nous, c'est des sacs Ziploc. Wow! Donc, peut-être un des sacs Ziploc qu'on utilise à chaque jour, il a passé par une des machines que tu t'occupes. Oui, probablement. Comment t'es arrivé à ce métier? Est-ce que c'est à travers une formation? Est-ce que c'est un intérêt particulier? En fait, moi, j'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui était outils, comment ces trucs étaient assemblés. J'ai fait un DEP à la suite de mon secondaire, un DEP en électromécanique de systèmes automatisés. Puis ça, c'est un cours qui m'a permis vraiment d'accéder un peu plus facilement à ce travail-là. Parce que ça nous donne une base de tout ce qui est mécanique électrique et programmation. Donc, on parle de que ce soit pour des ajustements, des fois de savoir comment le logiciel fonctionne, ça peut nous aider à ce niveau-là, mais aussi pour tout ce qui est l'entretien. Le domaine que j'ai choisi, moi, en fait, tout ce qui est technique m'a intéressé. J'avais fait une couple de programmes de menuiserie de certaines affaires plus jeunes. J'avais adoré la touche, les outils dans les mains, j'ai toujours eu ça, puis je continue encore. Et j'ai toujours aimé trouver les problèmes. Un foyer, par exemple, tu trouvais qu'il y avait une pièce électronique dedans de brûler, ça coûte 5 cents pour souder. Le morceau est réparé, la machine est réparée, c'est intéressant. Wow! Donc, cet intérêt pour l'électronique, pour la mécanique, ça date de bien avant ton diplôme professionnel. Oui, en fait, c'est sûr que j'avais commencé pas mal à approfondir à l'école, là, en sciences. Moi, j'ai fait de la rénovation quand même beaucoup. Là. J'aurais aimé faire, mettons, en électronique, mais la mécanique est quelque chose, quand j'ai vu que tout pouvait être combiné dans un programme où j'allais pouvoir appliquer mes connaissances sur plusieurs secteurs et jamais faire vraiment la même chose de tous les jours. Moi, c'est quelque chose que j'ai adoré parce que je voulais pas, par exemple, juste entretenir de l'hydraulique ou juste entretenir des moteurs. Dans ce que je fais comme travail, je touche à une panoplie d'équipements et différents systèmes. Donc, à chaque jour, tu apprends quelque chose de nouveau parce que oui, tu vas avoir la connaissance de base sur tous les équipements. Tu vas avoir quelque chose de nouveau qui va soit défaillir ou qui va devoir être ajusté légèrement pour avoir un meilleur fonctionnement. Donc, vous touchez vraiment tout ce qui est pneumatique, hydraulique, électronique, mécanique, industrielle et tout ça. Oui. En fait, sur tous ces secteurs-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains trucs comme l'électrique, je parlais tantôt, on ne touche pas réellement, mais on a la connaissance qui nous permet de diagnostiquer des fois. C'est sûr que tout ça, ça descend d'une grosse branche qui est l'automatisation industrielle. C'est les chaînes de montage, tout dépendamment du produit, il y a des machines qui sont différentes. Est-ce que tu trouves que ce que tu fais en ce moment ressemble à ce que tu faisais en tant que jeune participant dans les programmes de FIRST? C'est définitivement similaire. En fait, une des raisons pourquoi j'ai choisi un programme qui
utilisait, qui avait tous ces trucs-là, c'était parce que quand j'ai fait un robot, j'ai pas resté en électrique, j'ai pas resté en mécanique, j'ai vraiment fait tout sur le robot. J'ai aimé dans toutes les parties que j'ai faites parce qu'au final, c'est d'amener un produit fini ou un produit fonctionnel qui était ce que j'ai trippé le plus. Donc, c'est exactement la même chose. Puis, rendu là, quand il y avait un problème sur le robot, c'est exactement le même principe que si on avait un problème à dépanner sur une machine industrielle de plus grande envergure avec une trentaine de sous-systèmes ou une dizaine de sous-systèmes comparé à un robot qui, des fois, peut en avoir que quelques-uns. Pour ce qui est d'un, mettons, les encodeurs, c'est journalier qu'on fait des ajustements pour combien de temps qu'on veut qu'une action se fasse ou en combien de temps qu'on veut, combien de degrés qu'on veut faire un mouvement. La programmation qu'on fait dans le code, on le fait de façon journalière dans les ajustements sur nos écrans, nos interfaces au travail, afin d'améliorer le procédé. Là. Puis pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu la même chose que vous avez avec votre tableau de bord au niveau des commandes de robots. C'est le même principe qu'on retrouve dans les usines. Mais moi, je pensais plus à comme un système, comme par exemple la pneumatique. Dans tous nos équipements, on en a en fait. Les valves solénoïdes, la quantité qu'on a est assez impressionnante. On coule toute la journée, tout le temps. Fait que c'est des trucs qu'on doit dépanner. Ça nous arrive quand même fréquemment. Changer des cylindres, c'est typique parce que l'usure se fait rapidement comparé à un robot. C'est utilisé à l'année, le 365 jours. Ça arrête jamais, mettons. Tu as déjà participé en tant que participant. Maintenant, tu es mentor dans une équipe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton expérience en tant que mentor? OK. Ben en fait, quand j'ai passé de jeune à mentor, c'est une étape, ça, en passant. C'est sûr que moi, j'ai quand même rapidement été étudié dans le domaine. T'arrives, puis il faut que tu touches au robot, c'est le projet d'un autre. En fait, toi, t'es là pour les accompagner, pour lui donner du savoir. C'est quand même une chose qui est une étape à franchir, mais après ça, tu te rends compte que toute la connaissance que tu as eue, tu veux la partager. Moi, j'ai toujours aimé ça. Pour ce qui est, mettons, de l'électrique, moi, c'était la partie sur le robot que j'ai toujours faite le plus. Mais après ça, c'est vraiment le fun à pouvoir donner ce savoir-là, pouvoir dépanner, aider à montrer qu'est-ce qui va mal, voir le problème, quels sont les composants que vous avez, comment vous pourriez utiliser ces composants-là pour faire votre défi cette année, par exemple. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis là, tranquillement, pas vite, moi, j'ai développé des connaissances un peu plus techniques. Quand j'ai commencé un peu plus mes cours de pneumatique, j'arrivais à l'école, puis là, c'était justement le début du défi. Je suis comme, on va mettre la pneumatique sur le gros stand, mais c'est sûr. Parce que tellement de connaissances que j'ai rajoutées cette année-là, à ce niveau-là, que je voulais en mettre. Ça marche, c'est juste que c'est pas toujours aussi réaliste à tous les niveaux, mais ça a quand même fait une année un peu plus pneumatique que d'habitude. Les jeunes ont voulu et ont eu le savoir pour l'appliquer, donc c'était intéressant. Puis ça s'est répliqué aussi au fur et à mesure. Quand tu commences à travailler d'autres équipements, mais tu vois des systèmes, des idées que tu peux proposer ou dire qu'on peut, vous pouvez essayer comme ça. Un mécanisme simple, des fois, peut être répliqué de façon aussi simple sur le robot que dans une grosse machine, mettons. Mais tu as plein de pièces mécaniques, c'est comme ah, ça existe, puis ça pourrait être tellement plus simple. On parle de raccords ou d'adaptateurs qui, oui, ça s'est développé au fur et à mesure sur le marché pour First, mais en réalité, tu vois plein de solutions que ça pourrait être tellement plus simple, ça pourrait être plus rapide, ou on peut faire ça avec une pièce d'un kick normale aussi, des fois, donc c'est intéressant. Est-ce que ça a toujours été quelque chose de facile pour toi, être mentor avec les jeunes? Ça a été quand même un choc. Je te parlais de la première année, mais les deux, trois premières années, c'est une différence. Tu arrives avec les élèves que tu étais à l'école, tu étais là pour t'amuser. Là, tu es rendu dans un rôle qui commence à être un peu plus de t'aider à aller dans la bonne direction. C'est un petit peu plus difficile des fois d'avoir l'attention des jeunes sur certaines parties moins intéressantes du projet. Ils peuvent être plus compliqués pour certains, pour d'autres, c'est ça qu'ils aiment le plus. Moi, personnellement, je faisais tout, donc ça va dépendre de la personne. Mais à ce niveau-là, il faut attirer des fois l'attention sur des parties qui sont essentielles au projet. Puis le robot fonctionne, il manque toujours un petit détail que quelqu'un ne s'intéresse pas nécessairement autant, mais qu'il faut le faire, par exemple, par choc, qu'il soit fait pour que le robot puisse aller sur le terrain. Donc, c'est un détail qui prend le temps de la minutie pour le faire, mais qu'on doit travailler ensemble avec les élèves pour des fois un peu plus pour les motiver à faire cette tâche-là maintenant. Durant toutes tes années de participation, j'imagine que tu as eu des histoires un peu drôles, inspirantes que tu as vécues. En fait, il y a une saison que moi et plusieurs autres, on va dire, c'était un peu plus les gars contre les filles, mais il y avait trois filles dans l'équipe. C'était eux qui étaient les porte-parole. Mais ce qu'ils ont mentionné, c'est qu'on va faire un robot défensif. Nous, on voulait attaquer, on veut scorer, on veut faire les buts. Mais ça, c'était l'année Ariel Assist, je crois.
donc les gros ballons qu'on doit lancer, puis la position défensive qu'on a décidé de faire finalement par vote. Nous, c'était une des années qu'on a eu un des plus grands succès pour notre robot. On pouvait bloquer les ballons de presque toutes les façons possibles et on avait un role-play pendant toutes les qualifications. Puis même en éliminatoire, on voyait que notre robot protégeait beaucoup, enlevait beaucoup de points aux autres équipes en étant là et en usant. Donc finalement, ça a donné un succès qu'on n'aurait jamais pensé. Puis ça, ben, c'était un petit challenge au début, on n'était pas sûr, mais à la fin, les résultats étaient comme impressionnants dans ce qu'on a vu. Ça, c'est ce que j'appelle du travail d'équipe pur et simple. On a voté puis on l'a fait. Voilà. Tout le monde ensemble, tout le monde met la main à la pâte. J'adore. David, c'est déjà la fin de notre entretien. Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui est démotivé, surtout dans cette situation actuelle, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut que tu trouves ce qui t'intéresse. Puis des fois, c'est quelque chose qui va pas être commun, mettons. C'est pas un métier que tes parents ont fait ou c'est pas un métier que les personnes que tu as connues autour ont fait, mais tu veux l'apprendre. Moi, j'ai un diplôme qui n'est pas nécessairement une étude universitaire, mais qui, dans mon domaine, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que j'aimais faire. C'est vraiment le fun. C'est ta passion. Quand c'est ta passion, tu t'en vas au travail et tu aimes ta journée. Tu finis ta journée, tu es encore content de ce que tu fais. Tu trouves que tout ce que tu préfères. Des fois, ce que tu préfères inclut des petites parties un peu moins le fun. Quand tu choisis, mettons, comme moi, un domaine aussi large et aussi vague, c'est normal d'inclure des parties qui sont un peu plus un défi. Donc, crois en toi, suis tes rêves. Exactement. Ben, merci beaucoup, David, d'avoir participé. Je te souhaite une belle journée, puis à la prochaine. À la prochaine, merci à toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté, puis je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!